On a créé un jeu pour raconter des histoires. Quand on joue au jeu, si on prend la liberté, on peut construire tout ce qu'on veut et inventer des règles rigolotes. On peut s'exprimer. A plus 1, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6. L'école est égale obstacle. Maison est égale obstacle. Plus dehors est égale obstacle. Plus 250 plus 450 plus 650 plus 750 plus danser est égal à M. Nous, on aime courir, donc on invente une course d'obstacles. On a inventé des obstacles à franchir. Des obstacles de ceux qui nous font peur, puis on les a dessinés. On a inventé des langues, on a inventé des mots et des alphabets. Un peu tout ce qui sortait de notre tête et de notre corps pour nous protéger. On a fait des boucliers contre nos peurs, nos difficultés et nos phobies. Un peu comme des cabanes de protection contre nos peurs. Comme les bêtes qui construisent des cabanes à partir des choses qui existent autour d'eux. Pour se construire une protection. Et nous, on va faire un petit peu pareil. On va mettre des objets sur nous pour nous protéger de nos peurs. De nos phobies. C'est un peu comme la chenille. Parce qu'elle serait... Elle se ressuscite en papillon. Comme des tortues ou des escargots. Ou comme des fourmis qui prennent tout ce qu'ils trouvent. Ou comme des castors qui construisent un petit peu leur cabane avec les bois qu'ils trouvent. Bah oui, ce qu'on fait avec ce qu'on a. Tu connais, je suis plus au quartier, quoi. Le coup de pied cavalier, tu connais mon cahier qui me baille. Dans notre jeu, il y aura plein de formes qu'on a dessinées et fabriquées. Un tuyau rouge.
des couloirs de course et des objets. Des enfants, des spectateurs, une affiche, un commentateur, un arbitre, des joueurs de cartes. Sur les cartes, il y aura nos dessins, nos costumes qu'on a fabriqués. Sur la piste, on va dessiner des couloirs de course. Un peu comme des phrases vides où l'on va déposer des lettres pour faire des phrases et raconter une histoire ou une aventure. C'est avec le jeu de cartes que nous allons utiliser les armures. Pour savoir quels objets vont aller dans le couloir, les arbitres vont jouer aux cartes et c'est le hasard qui décidera le reste. Plus on va ajouter d'objets, plus on va ajouter de mots, plus on va raconter des histoires. Et ces histoires, à part les lire, vous allez aussi les voir. Le principe du coup de la course, il faut mettre les obstacles sur nous pour avancer. Plus on va avancer dans la course, plus on va être chargé. De plus en plus, ça va être compliqué. Ce jeu est surtout un jeu d'équipe. Le but du jeu, c'est de tenir un équilibre. Tous les objets ont des encoches pour, à la fin de la course, nous coller ensemble. On a construit un système pour que tous les costumes puissent s'encastrer l'un, les uns dans les autres. Comme des anneaux de magicien. Comme un E dans l'eau. Ou comme des trains qui peuvent se mettre ensemble pour faire un train, un grand train. S'il y en a un qui tombe, bah on tombe tous. S'il y en a un qui perd, on perd tous. S'il y en a un qui tousse, bah on tousse tous. S'il y en a un qui gagne, on gagne tous. Et s'il y en a un qui perd, on perd tous. Bla 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 bla, Nikita, folle. Les CM2. À vos marques, prêts? Partez! Coupe, coupe, coupe. Ilana. Kylian. Ginette. Amadou. Malik. Juliano. Sarah. Mickaël. Yacine. Raoul. Alassane Djakite. Saïf. Yohan. Nathalie. Insa. Ridisha. Najim. Alima. Badia. Isette. Thank you.